46e jour dans l'idée de la Shonara du Chafetz Chaim. Toujours dans l'idée de toilette. Gam chez Kavanat Amisaper Teorai. Même lorsque celui qui raconte, il a une intention positive. Afilouk chez Kavanat Amisaper, il arvera que les toilettes. Même si celui qui raconte, il n'a rien qu'un but constructif. Alav livdok etev, haim etev, haomnam yavi udvara le totsa retsuya. Est-ce que le fait de parler, ça va amener ce qu'il voulait que ça amène, donc sauver les gens ou protéger les gens, ça va leur amener à réaliser cette volonté-là, ce but-là qui s'était fixé au départ, au schéma long, ou peut-être que ça va servir à rien. Tu as de très bonnes intentions, mais ton lachonara va ne servir à rien. Mouzdak le saper gnaï les toilettes. Rak, c'est permis, mouzdak, c'est justifié, de raconter quelque chose de négatif, les toilettes, par intérêt, rak uniquement. Kacher, yesh, sikul, savir, il y a une probabilité normale de plus de 51%, shachen, tiye, toilette, badavar, qu'il y ait un bénéfice dans l'affaire. Mishne, chashivut, donc il y a une chashivut en plus, mishne en plus. Yesh, leinyan, ze, c'est que chez Adam, mitkaven, imno, anezek. Quand quelqu'un veut éviter un ezek, tsafouy, matikshoret, mitkashrut, iskit, que quelqu'un va faire associer avec quelqu'un d'autre. Et je vais lui éviter ici une catastrophe. Mikesher yedidut, ou que par exemple un lien d'amitié, ou mishidur mesuyam, ou d'un suyam, et que je veux éviter un certain ézek, que la personne n'est pas au courant, il s'associe avec quelqu'un qui peut-être faudrait pas trop s'associer, il se met copain avec un ami qu'il faudrait pas trop se mettre, ou sinon il va sortir un shidur qui risque de, à la longue, mal tourner. Leitim mezumanot, kore, shekvar itkabla achlata sofit. Des fois, ça arrive qu'ils ont déjà décidé de se marier. Ve'alken en kol toilet besipur lashonara la tzadashim, ça sert à rien de parler pour le deuxième tzad. Ça y est, ils ont décidé de se faire associer. Qu'est-ce que tu vas faire? L'association, elle va continuer. Et l'autre, il va être rien que tout le temps, mais marmer et tatsmo. Après, ah oui, peut-être, c'est ce que lashonara on m'a dit, il va commencer à créer toute une image derrière, tout un film derrière. Tant qu'il y a une possibilité vraiment d'aider, et là, il faut faire une très grande réflexion, que le lashonara peut être constructif, vraiment, et sauver la personne, ok. Mais si la personne est déjà décidée et que mon lachon ne va servir à rien, ça ne sert à rien de lui dire « je t'avais averti ». Ça ne sert à rien de lui dire « je t'avais averti ». S'il est déjà décidé, ils font, c'est déjà trop tard. Il vaut mieux se taire parce que le lachon ne va aider à rien. Et ça, c'est dans des shidduchim, hein. c'est pas évident du tout, du tout, du tout. Tu vois un couple qui vont se marier, ils ont déjà fait les fiançailles, le mari est déjà dans son lit, et toi, tu connais quelque chose. Tu vas le raconter, tu ne vas pas le raconter. Ça, ils ont décidé de se marier. On est le dernier 100 mètres. Tu vas parler ou tu ne vas pas parler? Une personne, elle va s'associer avec quelqu'un. Ils ont pris la décision de s'associer. Tu vas parler ou pas? Non, pas chaud de dire là. Si ça a une chance d'arrêter l'association, oui. Mais si ça n'a pas une chance d'arrêter l'association, ça rentre, kavirchol, encore dans le cadre du lashon hara. Et donc, c'est problématique en soi.